Salut famille, comment vous allez? C'est votre humble serviteur, Stéphane Ahuy de Science TV. Je suis ni suiveur, ni suceur, je dis toujours ce que je pense. Voilà, comme annoncé, je vous avais promis une vidéo aujourd'hui. 19h, et c'est celle-là. Dans cette vidéo, j'aimerais vous lancer un message très important. Et lancer aussi un petit message, un cri de cœur à mon artiste de Bordeaux, Likoufa. Espérons que vous partagez au maximum cette vidéo pour qu'il puisse la voir. D'abord, vous les gamins, je vais m'adresser à la Légion. Les amis, vous savez, autant que vous, moi Stéphane Ahuy, qui passe tout mon temps à faire des vidéos pour Debordo Likoufa, bien avant son concert jusqu'à aujourd'hui, je suis très impatient. Très impatient de voir Debordo Likoufa enchaîner des sons. Mais malheureusement, le truc c'est quoi? C'est que on n'a pas connu Debordo Likoufa comme ça. C'est pas son registre. Voilà, c'est pas son registre. Et je vous demande à travers cette vidéo d'être plus compréhensif, d'être plus tolérant, parce que mine de rien, c'est pas facile. Le mec se produit lui-même. Jusque là, à ma connaissance, il n'a pas de studio d'enregistrement. Donc, on ne dira pas qu'il n'a rien, mais il travaille selon son rythme en fait. Donc j'aimerais que vous compreniez, c'est que plus on lui met la pression, soyons sûrs qu'il ne sortira rien pour nous faire plaisir. Ça c'est clair. Il ne sortira absolument rien pour nous faire plaisir. Parce que ça fait maintenant, on va dire, bientôt un an. Bientôt un an, je dirais, qu'il a sorti une... Je crois 17 novembre 2017 et novembre c'est dans 3 mois, donc ça fait 9 mois que notre Debordo Likoufa n'a sorti aucune. C'est pas bien grave, mais il y a un truc aussi que j'aimerais lui dire, et là je m'adresse à lui même Debordo Likoufa. Debordo, moi, si je suis fan de ta musique, c'est parce que tu es un très bon artiste. Tu es super talentueux. Tu as tout pour devenir meilleur de ta génération. Depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Afrique. Tu as ce talent là. Mais malheureusement, mon constat est que il me semble que tu es quelqu'un qui n'écoute vraiment pas. Tu aimes écouter ceux qui te font croire que tu avances ou que tu es meilleur. Ou que tu as tellement une très bonne stratégie que ça, mais au fond tu sais au fond de toi que c'est pas ça. Tu nous parles tout le temps de business, tu nous parles tout le temps de savoir ce que tu fais. Bon, tu peux, comme tu le dis, hein, tu peux savoir ce que tu fais, mais on ne sent pas ça dans ta carrière. Ça fait combien de temps? Prenons le cas de deux ados. Je me rappelle, après le concert, voilà ce que tu nous as dit, les vidéos sont encore là. Tu ne nous avais pas dit que les deux ados seraient sur ton album. Tu nous as dit, il y a une bombe que tu es en train de préparer avec Brigade Sabaté pour nous dire merci. Et les deux ados, tu l'as créé même pendant le concert, j'y étais. On ne sait pas dans quel coup. C'est devenu une histoire de... Vous me fatiguez trop, vous me mettez trop la pression, si vous voulez... Et écoutez, sur les Debordo, vous allez payer. Il n'y a pas de problème. Il faut faire sortir ça maintenant. Nous, on va payer. Enfin, c'est bien beau de dire à tes fans que si vous voulez écouter mon son, vous allez payer. Mais pendant que tu dis ça, ça fait 9 mois, mon artiste, que tu dis ça. Mais aucune œuvre n'est sortie pour que tu aies testé de savoir si on a payé ton œuvre ou on n'a pas payé ton œuvre. Parce que tes fans... Il y a beaucoup qui se découragent de jour en jour. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus fans de toi. Hein. Mais ils sont découragés, ils se disent que tu ne les écoutes pas. Tu dis, tu ne veux pas faire sortir son cadeau, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, fais sortir un son, nous on va payer, mais tu ne fais pas sortir. Non, on peut faire des vidéos, non, qu'à se calmer, mais fais quelque chose toi-même, Grando. Fais quelque chose. Parce qu'un fan, là, il veut voir son artiste au beau fixe. Il veut voir son artiste toujours à la une. Il veut voir son artiste toujours dans les premiers rangs.
on est là. Comme ça, livré à nous-mêmes. On dit on est fan de Bordeaux, mais bon. Jusque-là, on danse les morceaux de quelqu'un des autres artistes, parce que notre Bordeaux, du coup, n'a pas encore fait de nouvelles œuvres. Laissons à faire, on va télécharger gratuitement là. Nous on dit, faut faire sortir, nous on va payer. Parce que nous on veut t'écouter. On veut t'écouter. Après, c'est... Moi je dis que maintenant là, tu n'as plus d'arguments. Hein. Le deux ados, tu nous as pas dit qu'il allait être sur ton album. Tu nous as dit que tu allais sortir ça après le concert pour nous dire merci. Que tu as fait ça même avec Brigatti. Le clip était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Mais rien jusque là. Il y a un truc que tu dois comprendre. C'est pas parce que tu es trop stratège ou bien tu es trop fort dans la stratégie que tu es toujours d'actualité. C'est nous tes fans. Là. À force de parler de toi, à force de se plaindre de toi là, c'est nous qui te faisons mettre toujours à l'actualité. Est-ce que tu comprends un peu? C'est nous qui faisons ça. C'est même pas toi. Des Bordeaux fait sortir quelque chose. Des Bordeaux fait quelque chose. Des Bordeaux est passé où? Des Bordeaux fait quoi? Des Bordeaux, des Bordeaux, des Bordeaux, des Bordeaux. Moi, on va pas rester disons comme ça. Faut que ça change. Faut te bouger, s'il te plaît. Faut te bouger, s'il te plaît. J'espère que tu comprendras le fond de ma vidéo. Moi, j'attends la suite. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta carrière. Et moi, c'est mon dernier mot. Concernant cette histoire de faire nous sortir un son. Ciao, ciao, les amis.